Aujourd'hui, je vous propose un délicieux gâteau à la myrtille. Suivez-moi pour la recette. Je commence par verser 125 g de beurre mou. N'hésitez pas à le sortir quelques heures avant du réfrigérateur et je le fouette 2 minutes. J'ajoute 220 g de sucre et je continue à fouetter 5 minutes. Mon mélange beurre et sucre est crémeux. J'ajoute les œufs l'un après l'autre en mélangeant après chaque ajout. J'ajoute le troisième œuf et je continue de fouetter pour qu'il soit bien incorporé. J'ajoute 80 g de crème liquide semi-épaisse à 30% de matière grasse. Je continue de fouetter quelques secondes pour mélanger la crème et j'ajoute 60 g de poudre d'amande, 110 g de farine et 2 g de levure chimique, ce qui correspond à une cuillère à café. Je mélange quelques secondes pour incorporer la farine et j'arrête aussitôt. Je mets un peu de matière grasse au fond du moule pour que le papier cuisson soit bien maintenu. J'utilise un moule carré de 20 cm de côté. Et je verse toute la pâte. Je lisse le dessus et je dispose 180 g de myrtilles. J'ai choisi des myrtilles surgelées. J'enfourne 50 minutes à 180 degrés. Et j'en profite pour préparer le sirop. Je verse dans ma casserole 110 g de sucre, 60 g d'eau et 125 g de jus de citron. Je mélange et je porte à ébullition. C'est à ébullition, je réduis le feu et je continue la cuisson 15 minutes. 15 minutes après, le sirop a bien réduit. Je le retire aussitôt du feu et je mets de côté. 50 minutes après, je retire le gâteau du four et je vérifie la cuisson. Le mien est cuit. Si le vôtre ne l'est pas, continuez par tranche de 5 minutes. Je perce le gâteau sur toute la surface. Et laissez-le reposer 15 minutes. 15 minutes après, je le dispose sur une grille. Et je l'arrose du sirop. J'ai utilisé uniquement la moitié du sirop et je trouve que mon gâteau était suffisamment imbibé. Après, c'est en fonction de votre goût, vous pouvez utiliser plus ou moins du sirop. Et je laisse refroidir le gâteau complètement.
Mon gâteau à la myrtille est prêt à être dégusté, si facile à préparer et tellement bon. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!